se retrouvons devant une œuvre d'une artiste très connue, Lillian Lynde. Je dois avouer que je ne la connaissais pas personnellement avant de faire partie du groupe. Mais la puissance, et là on entend le moteur qui s'élance et la voile qui commence à se lever, la puissance de l'œuvre m'a bluffé. Et en même temps, ce qui m'a bluffé, c'est comme dans l'œuvre de Pavel Büchler, c'est au fond un dispositif très simple qui est poussé à son maximum d'efficacité. Et cela nous donne une œuvre extraordinairement spectaculaire, très très belle formellement, et devant laquelle nous pouvons rester longtemps, puisque nous allons voir une sorte de danse qui change en permanence. Et là aussi, nous allons pouvoir retrouver des interprétations qui nous sont plus personnelles. Chacun aura, en quelque sorte, sa vision et son interprétation du travail de Lillian. C'est pour moi, peut-être, cette articulation-là entre une simplicité de moyens et encore une fois une efficacité de résultat qui définit le très beau travail des artistes contemporains.